Le retour tant attendu de Sam Neill. Oh putain, j'adore cet acteur. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Frizad, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo réaction. Et aujourd'hui, on va réagir à la bande-annonce d'un tout nouveau film comique qui va s'appeler Palm Beach. Et c'est une comédie américaine avec Sam Neill. C'est lui qui joue Alan Grant dans la saga Jurassic Park, que l'on reverra très bientôt dans Jurassic World 3 Dominion. Il a pris quand même un sacré coup de vieux depuis le premier Jurassic Park et même Jurassic Park 3. D'ailleurs, justement, j'adore Sam Neill encore plus que Jeff Goldblum. C'est pour ça que je préfère Jurassic Park 3 à Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Et ne me criez pas dessus, je vous en prie. J'adore Sam Neill, mais je regarde pas vraiment toute sa filmographie. Je n'ai juste vu que Jurassic Park, Jurassic Park 3. Et là, je vais très certainement être attiré par Palm Beach parce que, en vrai, c'est pas souvent qu'on a des comédies américaines. Donc, pourquoi pas, allez, on va découvrir cette bande-annonce vu qu'il n'y a pas de résumé. Lumière, moteur, ça tourne, réaction. Générique. Bonne annonce, c'est parti. Universal, ok. Papa, tu es quelqu'un d'obstiné, de borné, de maniaque, un rouspéteur psychorigide. C'est gentil, ça doit être pour mon anniversaire. Salut. Je sais. Ah, il est là, je l'ai vu. Tant qu'on aimerait pouvoir le faire, mais quand on y arrive, je dois reconnaître que c'est fabuleux. À l'amitié. À l'amitié. C'est les bronzés 3. Bienvenue à bord, monsieur. C'est magnifique chez toi. Quel dommage, cette putain de cheminée. Un tout petit bémol au paradis. D'accord. Notre arrangement. J'y repensais, Lottie. Quoi? Attends, écoute-moi. On a réglé ça il y a 20 ans. On a fait un pacte, Léo. Je ne suis plus du tout le même homme. Eh ben, redeviens qui tu étais. On m'a contacté pour jouer une grand-mère. Oh non. 60 ans aujourd'hui, c'est 40 ans hier. Ouais, bien sûr. Vu de dos et dans le noir. Regarde-nous. Un compositeur de jingle raté, une actrice vieillissante, le monde dans lequel on vit. C'est plus pour nous. Ah. Pourquoi Billy est un connard aussi ingrat, putain? Écoute-moi, petite chure. Va te faire foutre. C'est quoi, Billy? Franck! Franck, qu'est-ce que tu fabriques? Je vous déteste! Non, c'est faux. Pourquoi vous êtes venus? Nous sommes là pour célébrer ta rationnelle maturité. Maturité, le bon vieux sage que tu es devenu. Parlez enfin. Il veut pas être mature, il veut redevenir jeune. J'ai dû vendre l'entreprise. Le jour où je l'ai vendue, je me suis senti mourir. Au moins, t'as d'autres choses. On ne voulait pas avoir d'enfants. Quand je regarde les tiens, tu as de superbes enfants, mon vieux. Toutes ces années, il a été marié à son boulot. Oh, tais-toi, ça s'est arrangé. C'était beaucoup plus qu'une simple aventure, Lottie. Oh! J'ai bousillé toutes les bonnes choses et tu es la meilleure d'entre elles. Les petits mouchoirs, nous finirons ensemble. On dirait la même chose. Tu sais, parfois, tu dois juste profiter de tout ce qui t'entoure. Arrête, descends tout de suite de là! Promets-moi que les 10 années qui viennent seront les meilleures de notre vie. Merci. Tu as tellement de chance. Toi, Billy, t'aimes toujours. La façon dont il te regarde. Non, il est trop vaniteux pour mettre ses lunettes. Il vit dans un grand brouillard. Oui,
Oui, bon, j'ai compris en fait le film. Palm Beach et le film Nous finirons ensemble, parce que les acteurs sont un peu plus vieux. America, exactement, c'est la même chose. Vacances, au bord de la mer, d'anciens amis, vraiment très vieux, secrets, mensonges, regrets, un peu de comédie aussi, et pas mal de dramatique aussi. C'est vraiment Les Petits Mouchoirs, Nous finirons ensemble, Les Bronzés 3. Non, pardon, je vais pas parler des Bronzés 3, on va commencer à saigner des oreilles, parce que c'est vraiment très pourri. Donc oui, le Nous finirons ensemble américain, bah ça a l'air très sympa vu qu'il y a Sam Neill et ça n'a pas l'air d'être un personnage secondaire ou tertiaire, donc c'est très cool. Vraiment, je vais adorer regarder ce film. Et puis bon voilà, comme je l'ai dit, on n'a pas souvent des comédies américaines de ce genre-là. Ça peut être vraiment très sympathique de regarder ce film. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z, coupé.